Wesh l'insolence. Ça fait longtemps les frérots, que ce soit pour l'intro même pour les vidéos YouTube les gars. Du coup on est directement dans le menu les frérots, j'ai même mis le chat Twitch à droite. Boutique d'objets évidemment les gars. Avant chaque DLC les gars, code créateur Zuma. On va dans la catégorie Fast and Furious les frérots et là on voit directement, on a la nouvelle voiture les frérots. Donc la Dodge Charger SRT L4 que je trouve incroyable personnellement, mais vraiment pour une vraie, je la trouve incroyable. Donc les gars, vous pouvez voir que je l'ai directement possédé ou quoi. J'ai pas acheté le DLC, c'est Epic Games les gars qui m'envoie le code. Gros merci à eux et gros bisous à eux évidemment les frérots. Donc hashtag ad. Mais comme d'habitude, on va faire le test. Si ça pue la merde, je vous le dirai les gars. De façon dans tous les cas, je suis honnête. Mais en tout cas, elle a l'air d'être cool. On va voir juste les roues quand même. Ok, pourquoi pas. Ok, oh, on va mettre ce sticker. Oh, c'est bon. Oh la petite dinguerie, les gars. C'est bon, la petite dinguerie. Attendez. Alors, nouveau preset, les frérots. La voiture, non, du coup, je l'ai déjà. Elle est ici. Et même comme ça, en vrai, je la trouve belle. Mais on va pas faire ça, les gars. On va mettre le sticker de base. Ouh. Voici le preset les gars, franchement je la trouve vraiment belle de ouf. Hein. Franchement mettez une petite note les gars sur 10 dans l'espace commentaire. Moi franchement, là comme ça je lui mets un 8 sur 10. Je trouve vraiment qu'elle est vraiment belle. Il y a deux trucs qui me gênent un petit peu. C'est le tout ouvrant et le sort de moteur qui ressort un peu du capot. Ça je trouve ça fait un peu trop too much on va dire. Mais sinon la voiture d'ensemble est incroyable. Hein. Je la trouve vraiment trop belle. Hein. Peut-être ça fait un petit peu sourcil. Le chat m'a confirmé les gars que c'était une hitbox 2 minutes. Elle est vraiment belle les gars, je la trouve incroyable. Comme d'habitude, on va directement faire en premier temps le bruit de la voiture. Et on va le faire ça en normal et en supersonique. On va écouter. Ok, bah en vrai c'est plutôt réaliste, hein. J'avais déjà écouté ces voitures dans la vraie vie et c'est à peu près le même bruit, donc en vrai franchement ils ont bien fait. Pour l'instant j'aime bien, on va écouter maintenant Supersonic. Ok, franchement les gars j'aime beaucoup. Franchement le bruit genre 9 sur 10 encore une fois les gars. Franchement je valide de ouf. Vous en pensez quoi Twitch? Le bruit est insupportable à jouer. À jouer il est insupportable. Ah je vois ce que tu veux dire. En vrai je pense pas que c'est dérangeant. Presque à m'abuser hein. Franchement Rocket League je trouve c'est le jeu où on perd le moins son niveau les gars. Bisous, ça fait vraiment 2 semaines j'ai pas lancé le jeu une seule fois les gars. Et ça je trouve pas que j'ai tant perdu que ça hein, vraiment. Pinch, je tente un pinch les gars. Après c'est une hitbox de mus donc je pense que ça devrait le faire hein. C'est parti, il est temps pour moi d'aller en game les frérots. On va tester tout ça. J'en sors un V1 occasionnel les gars. Et on se retrouve directement en game, c'est parti. Ok bon gars, c'est parti, le quad reset c'est maintenant. Ou le MacTuff, hein, je sais pas en vrai. On commence par un double OZ les gars. Dommage. Bon, heureusement ça rentre pas hein, parce que mettre un triple OZ, bon, on souffle. Je vais partir à l'improviste les gars. Oh j'aurais MacTuff ça les gars, ça aurait été beau. Hein. J'aurais fait reverse reset, MacTuff ça aurait été beau. Hein. Prenez le rien. En vrai c'était close hein, franchement c'était close. Le truc qui est cool les gars c'est avec les nouveaux DLC qu'ils font Rocket League, c'est que tu peux mettre déjà tous les stickers que tu veux, tu peux mettre toutes les roues que tu veux et tout. Et ça avant je sais qu'il y avait certains DLC où c'était pas du tout le cas. Non, je sais que McLaren c'était souvent le cas. Je vais laisser gagner en vrai. McLaren c'était souvent le cas en mode t'avais ta voiture, t'avais son sticker gris et c'est tout. Tu pouvais pas la modifier, tu pouvais pas la personnaliser. Et ça je trouve ça grave dommage. Mais du coup ils ont appris leurs erreurs et du coup ils commencent à le faire. Ou à moins peut-être que ça va être genre une sorte de ligne dans le contrat en mode il y a certains constructeurs qui veulent pas qu'on personnalise leur voiture pour pas que ça rende moche ou quoi, mais bon je peux comprendre. Non mais non franchement, notez sur 10 ce preset, il est incroyable. Noir mat, sticker anodisé gris, véloce noir, je la trouve incroyable genre. Laisse maintenant les gars. Non. Mais Kylian, c'est Kylian Mbappé ou quoi là? Il loupe pas ses balles genre. Faut que j'arrête avec mes blagues, il y a faut que j'arrête putain de merde. Le cuxir les gars c'est maintenant. Bon il rentre, il est cadré, mais il était éclaté. On va tâter un psycho les gars, je sens bien. Putain, j'ai pas assez de boost. Je pense qu'on aurait pu le faire, hein, prenez de rien. T'es en freeplay ou... Je sais pas, frérot, il veut pas jouer en fait, les frérot. Tant mieux, hein, ça me laisse freestyle. Hein. Déjà, j'ai commencé, il est même pas allé au kick-off, il est resté dans ses cages. Ah, mais je sais pourquoi, les gars. C'est à cause de mon titre SSL, les gars. Je l'enlève juste après, en vrai. Premier degré, je pense vraiment que c'est à cause de ça. Ouais. Il voit un SSL, il se dit, vas-y, je vais laisser jouer. Regardez, les gars, ce que je vais faire. Putain, pourquoi je trouve ça? Et c'était beau, hein, prenez, c'était beau, hein. Le frérot, il est trop mignon, les gars, prenez, il est trop mignon. Le frérot, il a pas joué de la game, frérot, il marque à 22 secondes de la fin, genre. Il veut juste gagner son match, il est trop mignon. En vrai, on va lui laisser gagner, les gars. Ça me faisait rire, les gars, le jeu. On lui met une petite pression. Là, je vous jure, là, le Kylian, il est en sueur, les frérots, là. Il y a il reste 7 secondes, les gars. Là il est en sueur, hein. Il est trop mignon les gars.
J'aurais mis ça, ça aurait été beau. Hein. Je le clip, les gars. Si je le clip pas, j'FF. Ouh, belle save, Kylian. T'es chaud. Oh, allez, Zigo. Non, il a loupé son tir. Je vais faire genre, j'ai miss. J'ai fait genre, j'ai miss, les gars. Là, je jure. Là, il est refait, les gars. Il est dans son salon. Il y a son gros daron qui regarde le match. Là, il doit être trop refait de son fils. Hein. Les plaisirs, ce soir, frérot, t'auras un dessert en plus. Hein. Premier de rien. Je vais mettre un GG, les gars. J'ai joué, il est trop content. Premier de rien. Il va screen. Là, il est mis story Insta, frérot, comme s'il fait un top 1 sur Fortnite en 2017. Hein, j'ai juré. Hein. Oh. Oh, il est chaud. Il est chaud de night, les gars, ou quoi, là? Vous avez la ref? Non, je rigole, j'arrête. C'est très craignant. Plus jamais je fais ça, les gars. Ça, ça part en wall read, les gars. Faites pas les choquer. Lourd. Très lourd, hein. T'as pris combien de temps pour être aussi fort sur Rocket League? Bah, 2 ans, frérot. Je n'ai pas de boost. Et t'appelles ça être fort, en fait. Genre, louper des boosts comme ça, pour toi, ça te va, genre. J'ai pas le droit au bonheur, les gars. Je n'ai juste pas le droit au bonheur, en fait, genre. C'est une dinguerie, quand même. Elle tape la lucarne pile poil, genre, frérot, genre. Ok, bon, j'ai. Il va me cut. Et frérot, mais je t'en supplie, pourquoi tu fais ça, genre. Je pense, premier degré, qu'il a juste voulu la save. Hein. Et il s'est juste raté, là. En mode, il veut juste ball chase. Et à vouloir ball chase, des fois, il marque dans son camp, là. Pourquoi il veut. En fait, il allait encore une fois marquer dans son camp, en fait. Je passe. Pourquoi ball chase en fait? Genre frérot, genre, je t'en supplie. Il s'est pris plusieurs buts les gars juste en chasant. Hein. Mais ta mère frérot! Oh j'allais faire un brizy. Il était parfait les gars, j'avais stop parfait pour brizy wall read. Frérot il me cut sur ça. Genre. Je vais péter mon crâne. T'es my chase! Oh, mais frère, il s'est mis à chase le frérot. Il est en sueur la première heure. Hein. J'ai du The Weeknd dans les oreilles en fait, je suis juste Gucci en fait. Tu vois. D'ailleurs les gars, The Weeknd pour Ken les gars, je vous le dis. Hein. C'est vraiment quelque chose. Hein. Des baclos. Ferme ta quoi, j'imagine tu l'as fait tomber. Mais frère, elle tombera pas, Tsuki, il est pas dans ma chambre. J'ai enlevé mon chat de la chambre, les gars. En vrai, là, instant sérieux, les gars, pendant 2 minutes. Hein. J'ai eu Tsuki, les gars, pendant ce bâton, ça va faire 1 an en août. J'ai eu beaucoup d'animaux, les gars, dans ma vie, genre vraiment beaucoup. Aucun animal, les gars, m'a... Enfin, j'ai jamais autant aimé un animal que Tsuki. Et je vous jure, c'est vrai, les gars. Genre. Je suis tellement attaché à Tsuki, je pensais pas pouvoir autant m'attacher à un animal un jour de ma vie. Genre. C'est vraiment une dinguerie, genre. Depuis qu'il a 2 mois, il dort tous les soirs avec moi. Il y a quelque chose. J'aime trop ce chat, en fait, genre. Et il me donne tellement d'amour, les gars. En fait, je pense que j'ai surtout jamais vu un chat qui donnait autant d'amour que ça, genre. C'est fou, comme... Enfin, ça parle pas, mais putain, frère, c'est vraiment quelque chose, vraiment. Un couple. Bon, frérot, c'est un animal. Tu vas te calmer, frérot. Putain! Oh, ça aurait été beau ça. Hein. Un corner read, reset, backboard, ça aurait été giga beau. Avec cette musique, les gars, je ne peux pas mettre de. Je ne peux pas mettre. Je peux ne pas mettre. Oh, j'arrive pas à parler, je vais péter mon crâne. J'ai oublié de mettre un clip, vous avez compris. Ah, ça rentre. C'est plutôt clean, c'est pas incroyable, mais ça rentre, c'est plutôt beau. Ouais, c'est surtout le setup qui est clean. Genre, moi, je pars vraiment vers le milieu du terrain et ça, c'est beau, j'arrive à rattraper. Ok, go. Mais d'où j'ai pas le reset, ta tante? D'où je n'ai pas le reset là, les gars? Premier doré, je comprends pas d'où je l'ai pas là. Pour ceux qui veulent l'acheter, les gars, code CreatorsMan, évidemment, les gars, ça me soutient. C'est vrai que j'oublie à chaque fois de le dire, mais pour le coup, c'est vraiment gratuit, quoi. Et moi, ça me soutient, donc n'hésitez pas, les amis. Dommage. Oh non mais les gars, non mais je suis juste trop fort en fait les gars. Regardez ce que je vous mets en fait les gars. 2 semaines j'ai arrêté Rocket League les gars. 2 semaines hein. Première session, regardez ce que je vous mets les gars. Avec la Dodge. Non mais nouvelle voiture incroyable ou pas les gars? Dites-moi dans l'espace commentaire les frérots. Je suis créateur de contenu ou on ne l'est pas en fait les gars. Premier degré, le but était vraiment clean les gars. Vraiment, je suis vraiment content de ce que j'ai mis là. En vrai il est vraiment insane ce clip hein. Premier degré, j'ai trop kiffé les gars. Regardez ça les gars. En plus le setup est plutôt clean. Oh non il est beau hein. Ouais, il est vraiment beau, les gars. En vrai de vrai, il est beau, les gars. Et je parle pas de moi, les gars. Je parle de ce clip, les gars. Masterclass, hein. Masterclass, frérot. S'il te plaît, cut pas. Je t'en supplie, cut pas. Let's go. Oh, t'es beau.
pourquoi elle veut jamais taper ma voiture, frérot. Genre, à tête d'homme, je suis dessus, frérot. Je comprends pas comment je la tape pas, là. Mais ta mère! Non, mais je vais casser un truc, là. Oh, mais Psycho ne veulent pas passer, les gars. Genre. Le ta mère est parti tellement naturellement, les gars. Je suis désolé, hein. Mais j'en ai marre, les gars. Ça fait le troisième psycho, les gars, genre. Je vais casser un truc, les gars. Tranquille, les gars. Ne pas casser un écran. Ne pas casser un écran. Et là, je le mets dans mes cages et je le mets, genre. Mon frère, j'en ai marre de ce jeu. Pourquoi de... minutes, frérot, je tente un putain de psycho en face, les gars. Je le tente dans mes cages, je le mets, je vais casser un truc, frérot. C'est pas normal, c'est aberrant. GMK serait choqué de cette aberrance, les gars. J'ai envie de casser un truc, genre. Et là je le mets, là, c'est bon, je le mets. J'ai envie de casser un truc. Et la casu, c'est vraiment un autre monde, les gars. Putain, frère, on tombe contre des gens, frérot, genre. Oh, le Martin, frérot, là, what the fuck. 21,08. J'espère qu'il est pas né en 2008, je vais casser mon crâne, là. Je suis en train de jouer avec un embryon, là. Mais frérot, genre, le frérot, il a pas tout son cuit, c'est pas possible, genre. Attendez. Pff, dommage, hein. J'ai enfin le droit au bonheur, les gars, maintenant. C'est faux, j'ai pas le droit au bonheur, je suis une merde. Bon, du coup, les gars, je suis en entraînement. Juste pour répondre à une question qui m'a été posée beaucoup de fois, les gars, dernièrement. C'est tout à fait normal, hein, c'est tout est légitime et je vous comprends, les gars. C'est pourquoi j'ai fait une grosse pause de YouTube dernièrement. J'ai fait une pause de quoi, un mois, je crois. Assez compliqué, mais à la fois, c'est simple dans le sens où, bah, du coup, ça se passe en trois étapes. De 1, j'ai eu des problèmes perso. J'ai pas envie de rentrer dans les détails. J'ai eu plusieurs problèmes perso dernièrement qui font que, bah, démotivation. En gros, voilà. Deuxième étape, c'est dur de produire du nouveau contenu sur un jeu qui, de base, n'a pas beaucoup de contenu. Enfin, je sais pas si je me suis fait comprendre, mais en gros, Rocket League de base, c'est un jeu où genre les développeurs délaissent un peu le jeu en termes de création de contenu. Bah franchement, nous, ça nous met un peu dans le soupe parce qu'il y a un peu rien à faire sur le jeu, quoi. À part prendre des DLC comme cette vidéo là, bah je sais pas trop qu'est-ce que je peux faire. Et ça, je sais que c'est une vidéo qui vous plaît, du coup je vous le fais. Je vous ai demandé d'ailleurs, j'ai fait un post YouTube, les gars, où je vous demandais du coup des idées de vidéos YouTube. Que même les abonnés arrivent pas à trouver des nouveaux concepts à faire sur Rocket League. Même si toute la communauté et tout, on s'y met ensemble ou quoi, c'est juste dur parce qu'il y a presque plus rien à faire sur Rocket League, quoi. Donc à part refaire les mêmes concepts en boucle, pack opening, DLC, ranked, freestyle, c'est tout le temps la même chose en fait, map workshop et tout. Du coup, c'est juste boring au bout d'un moment, genre. Vous redis là, hein, mettez des idées dans l'espace commentaire, les gars, pour ceux qui ont peut-être des idées ou quoi, qui innovent un peu. Et troisième étape, en ce moment, je travaille sur un gros projet, les gars, qui arrive entre juin et septembre. On sait pas encore quand est-ce que ça va sortir. Ça dépend juste des sponsors. Sans trop vous spoil, ça concerne le Azu Freestation 4. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé dernièrement et je pense vraiment que ça peut grave vous plaire. Parce que là, pour le coup, encore une fois, ça va être encore une fois une première mondiale. Franchement, en vrai, je suis grave hype à l'idée de juste vous en parler. Mais je peux vraiment vous dire, et franchement, ça me frustre. Mais je pense vraiment que vous avez kiffé et je compte vraiment sur vous, les gars. Le jour où vous allez entendre parler du Azu Freestyle, ça va être quelque chose. Faudrait être là, les frérots. Du coup, voilà, les gars, j'espère avoir répondu à peu près dans les grandes lignes à cette question. Je peux pas aller plus loin dans les détails, les gars, vous comprendrez, je pense. Mais du coup, voilà. Bon, YouTube, c'est une fin de vidéo, les frérots. DLC, franchement, masterclass. Hein. Je mets tout le temps des notes à chaque fin de vidéo où j'étais des DLC. Lui, je pense qu'il fait partie, genre, de mon top 5 de mes meilleurs DLC, je pense. Je le trouve vraiment trop bien, genre. J'ai trop kiffé jouer. Franchement, c'est vraiment un bon DLC. En sachant qu'on peut le personnaliser. Il est bien, il est complet. Franchement, il coûte pas trop cher, en vrai. On connaît Psyonix et les DLC à 2000 crédits qu'il nous habitue à l'époque. Là, en vrai, 1000 crédits pour ça, ça me paraît pas déconnant. En vrai, vu la gueule du DLC, en tout cas, franchement, c'est clean de ouf. Si vous voulez prendre, les gars, code CREATORSMA, les gars, évidemment, dans la boutique, ça m'aide évidemment, les frérots. En tout cas, si la vidéo vous a plu, les frérots, petit pouce bleu, évidemment, ça me soutient tous les jours, les frérots, ça me soutient de fou. Abonnez-vous, on rush les 150 000 abonnés en légende. Et dites-moi dans les commentaires si vous allez prendre le DLC ou non. Et si oui, vous l'avez, qu'en pensez-vous? Twitch, je vous dis au revoir, les frérots, évidemment. N'hésitez pas à nous rejoindre, les gars, tous les soirs à partir de 20h, 21h en général. C'était Azuma, les gars, merci à vous. Je vous fais des bisous, les gars. Peace.